Il a l'œil à tout, attentif à chaque posture, corrigeant le moindre défaut. Pour les pratiquants du karaté JKA, Japan Karate Association, c'est une légende vivante, un demi-dieu. Sensei Mori, ceinture noire 9e dan, à l'âge vénérable de 80 printemps, ce grand maître a tout spécialement fait le déplacement de New York pour animer ce week-end un stage à Boulogne-sur-Mer. Ça fait partie des sensei mythiques des années 50, dans cette grande gamme de sensei, tout droit dans l'héritage de Shinshin Funakoshi, avec un savoir et surtout une pratique à l'ancienne. L'idée aussi, c'est de retrouver ce qui se faisait au départ et de comprendre comment ça a évolué. On ne veut pas reproduire tout le temps ce qui a été fait au départ, mais il faut comprendre les origines pour pouvoir développer le karaté aujourd'hui. Car le karaté de Masataka Mori revient aux sources de la discipline. Il s'intéresse plus à l'être humain qu'aux combattants. L'objectif de mon enseignement, ce n'est pas simplement développer la technique ou le physique. Ce qui m'importe, c'est l'état d'esprit, les valeurs. Un véritable honneur pour tous les stagiaires qui l'ont côtoyé, car Sensei Mori n'est pas sûr de revenir de sitôt en France.